projet, c'est ce qu'on a appelé le projet La Cérémonie des Quatre Maisons. Donc nous avons subdivisé nos élèves de 3e générale, 6e générale, 3e TQ, donc technique de qualification, et 6e technique de qualification sur les quatre maisons inspirées de la saga Harry Potter. Le but, c'est un but d'émulsion, que chaque élève donne le meilleur de soi pour rapporter des points à sa maison et pour que chacun se dépasse et essaye d'aller de l'avant encore plus que dans un système classique. D'abord, il y a des petits défis qui se font en classe qui rapportent aussi des points aux maisons. Et alors, lorsqu'ils lancent des projets, donc ça peut être créer un groupe Amnesty, créer un bon de sang, participer aux activités, donc des marches adeptes, représenter l'école à l'extérieur. Chaque fois, ils rapportent des points à leur maison également. On avait envie de donner un coup de neuf sur notre manière de fonctionner pour stimuler nos élèves. Donc, on avait envie de changer un petit peu la routine. Et en réfléchissant tous ensemble, et sous l'égide de Monsieur Alexandre, qui a eu l'idée de repartir sur le modèle d'Harry Potter, on a lancé le projet déjà l'année dernière. Ça a bien fonctionné. On a vraiment vu des élèves qui se sont investis pour l'école, mais aussi pour les autres élèves. Ils ont créé des projets pour les plus petits. Et donc, c'était une réussite vraiment. Ce qui me motive, c'est l'esprit de compétition qu'il va y avoir entre les différentes maisons. C'est que du coup, ça nous rapproche avec les troisièmes, parce que ça forme un peu des grandes familles. On a envie d'aider les troisièmes, de faire des projets avec eux. Ça nous aide à marquer plus de points, parce qu'il y a ce système de jeu qui nous motive à jouer l'un contre l'autre. C'est un peu compétitif. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça peut amener de superbes rencontres. Pour moi, allez, le principal, c'est de participer. Et puis, faire la compétition, c'est pas trop mon truc et tout. Et j'espère gagner. J'aimerais privilégier en fait les relations en fait qu'on aurait tous ensemble. Du coup, votez Einstein.